Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, je vous explique comment installer et utiliser Virtual Speditor et tout ça après l'introduction. A tout de suite. Et bien le bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant l'introduction, je vais vous expliquer comment utiliser Virtual Speditor. En tout cas, j'espère que vous allez bien parce que là, ça va être un tutoriel assez délicat, assez pointilleux, puisque moi je ne connais pas spécialement ce logiciel. Donc je vais apprendre avec vous en même temps. Bon, je connais déjà quelques bases, mais l'objectif c'est qu'on apprenne ensemble et qu'on voit comment ça fonctionne. Tout simplement, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que Virtual Speditor? Eh bien, c'est simplement un programme qui vous permet en fait d'ajouter des livraisons dans la liste de vos livraisons sur ETS2. Voilà, tout simplement. C'est un logiciel qui peut être vraiment bénéfique pour toutes les VTC, toutes les entreprises virtuelles, puisqu'en fait, ça peut vous ajouter pas mal de livraison à la suite. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que lorsque vous faites une livraison, vous en avez une autre qui peut suivre à l'arrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En gros, vous avez un trajet, vous pouvez créer un trajet prédéfini, et ça, c'est juste énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, là-dessus, avec ce logiciel, on peut travailler sur des feuilles de route, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, dans un premier temps, ce que vous allez faire, je vous ai mis le lien en description, vous allez télécharger ce fichier qui est là, donc la version 2.15, très important. Également important de disposer de WinRAR, voilà le petit logiciel pour les archives. Une fois que vous avez téléchargé ça, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un fichier sur votre bureau que vous allez appeler Virtual Speditor. Tout simplement, Virtual Speditor. Voilà, hop, back. Vous allez glisser le fichier téléchargé à l'intérieur. Ensuite, vous ouvrez votre fichier, vous allez faire un clic droit sur Virtual Speditor et vous allez faire Extract here. Voilà. Donc, du coup, voilà, il va tout vous extraire. Une fois que c'est fait, ça, l'archive, vous pouvez la supprimer à l'intérieur. Elle ne servira plus à rien. Ensuite, ce petit, ce fichier qui a été créé, vous allez le mettre directement dans vos documents, là où est installé ETS2. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai déjà TSO Tools et Mode Studio 2. Donc, du coup, Virtual Speditor, je vais le glisser ici. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir, vous allez faire. Vous allez choper le .exe qui est ici, vous allez faire un clic droit dessus et vous allez créer un raccourci. Voilà. Le raccourci, vous allez le glisser sur votre bureau. Hack. Et ensuite, bah écoutez, vous le renommez comme vous voulez. Moi du coup, je vais juste enlever raccourci et je vais laisser Virtual Speditor. Comme ça, vous pourrez lancer directement Virtual Speditor depuis votre bureau, tout simplement. Une fois que c'est fait, et bien ce que vous allez faire, on va s'en occuper plus tard de ça, vous allez lancer ETS2. Donc je vais lancer ETS2. Hop. Je vais continuer la partie. Peu importe le profil. Alors ça fonctionne également sur les maps indépendantes, hein, que ce soit Grand Utopia ou FSG. Ça fonctionne, hein. Donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne sur ProMods également, puis sur sur pas mal de petites maps. C'est assez sympa comme logiciel. Voilà, une fois que c'est fait, veillez à ne plus avoir de mission ici. Voilà, de mission en cours, très important, sinon vous les annulez. Et le mieux, c'est de retourner directement dans le garage et de sélectionner une remorque. Donc moi, j'ai, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà ma remorque attelée. Je vérifie si j'ai pas de mission. Non, c'est bon. Ok. J'ai ma remorque qui est attelée. Donc, ma profil liner qui est attelée. Et du coup, l'objectif, bah, c'est attribuer une mission à cette petite remorque. De faire mon planning. Voilà. Donc, ce que vous allez faire une sauvegarde manuelle. Enregistrer la partie. Donc là, j'en avais déjà fait une, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, du coup, je sais pas que ça n'a pas fonctionné. C'est que je me suis planté. Donc, je vais l'appeler test tutoriel. Voilà, hein, bon. Je vais l'enregistrer par-dessus. Oui, je vais écraser la partie. Ensuite, vous quittez le jeu. Et la première chose à faire,
c'est de regarder l'heure à laquelle vous avez sauvegardé. Là, il est 14h34. Voilà. 14h30, on va dire 14h34, parce que là, il vient de passer à 35. Donc, du coup, on va ouvrir Virtual Speditor. Voilà. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher notre sauvegarde. Donc, pour cela, vous cliquez ici sur le petit carré, vous allez dans ce PC, Documents, ETS2, Profile, et là, vous allez choper votre profil. Donc, moi, là, vous voyez, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut que je chope le bon. Voilà. Donc, c'est pourquoi je regarde l'heure, la date. Vous voyez, les profils sont là, vous voyez. Tac. Y en a qui sont là. 1, 2, 3. Et moi, du coup, il faut que je chope celui à 14h34. Donc, hop. Donc là, il n'y a que de l'autosave. Donc, c'est pas celui-là. Ici, il y en a un. C'est pas celui-là. Et c'est peut-être celui-là. Non, non plus. Alors, c'est assez compliqué. Alors, je vais le refaire parce que c'est pas évident. Alors, téléchargement. Mince, je fais des bêtises. Voilà, ETS2. Donc, profile. Voilà. Là, je clique directement dessus, hein, ça sera plus simple. Save. Auto-save. Non, c'est pas ça. Donc, hop, je refais un clic pour fermer, pour pas que je me plante, parce que sinon, c'est un bordel. 19h34, 14h17. Il me semble que c'est celui-là, 14h17. Si je dis pas de bêtises. C'est bizarre quand même que j'ai pas l'autre. Pourtant, je viens de faire une sauvegarde. Oui, c'est non, autosave, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est délicat, hein. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon. c'est pas évident. Alors, 9h38, bah, c'est bizarre, j'ai pas ma save. J'ai absolument pas ma save. On va relancer ETS. Je vais aller. Faut absolument que je recrée une save en fait, parce que là ça va pas. En fait, je crois qu'en fait c'est parce que j'ai fait une save par-dessus celle que j'avais déjà faite. Et en fait, lui il me reprend celle de 14h17. Alors que moi je veux une nouvelle save. Et vous allez comprendre pourquoi en fait. C'est vraiment ça que je veux vous expliquer. Donc, du coup, ce que vous faites, vous refaites. Si vous ne trouvez pas, vous enregistrez une nouvelle partie. Là, je vais l'appeler. Vous voyez, parce que là, ça se rappelle. Voilà. Donc, je vais l'appeler test. test, tout simplement. Je vais enregistrer. Tac, je ferme, je quitte. Je regarde bien l'heure. Voilà, 14h37. Donc, je lance mon logiciel. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Alors, après, il y a une autre technique. Hein. Vous pouvez faire une autosave hein, directement. Mais bon. Le mieux, c'est d'aller chercher directement votre save que vous venez de faire. Alors, document, Euro Truck, profile. Voilà, et je vais aller chercher. Alors, il me semble que c'est celui-là. Je suis pas sûr. Non. On va finir par la trouver. Hein. De toute façon, tôt ou tard, je finirai par la trouver. 16h, c'est pas ça. 18h, 19h, 14h17. Et là, vous voyez, 14h37, elle apparaît. Là, voici, la voilà, en fait, ma sauvegarde. Elle est ici. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention, de regarder l'heure à laquelle vous sauvegardez, comme ça vous pourrez retrouver votre sauvegarde manuelle plus facilement, puisque là en fait elle est pas. Il n'y a pas de nom en fait. C'est-à-dire que c'est directement un fichier. Donc en fait on se fie à l'heure, tout simplement, et la date. Donc ensuite, donc vous le mettez en surbrillance, vous faites OK. Voilà. Ensuite vous chargez. Vous mettez One Trailer et vous chargez. Donc Freight Marker. C'est simplement pour utiliser les remorques d'offres de traction, voilà, pour ceux qui veulent utiliser les remorques d'offres de traction directement, ou le One Trailer, c'est vos remorques à vous, vous allez utiliser, voilà. Donc une fois que c'est fait, ici, pays, vous laissez All, compagnie, vous laissez All, très important. Ici, vous choisissez donc la version, c'est utilisable sur ATS également, hein. Vous pouvez l'utiliser sur ATS, c'est exactement le même délire. Ici, vu que moi j'utilise la map de base, je vais mettre ETS 1.40, tout simplement. Ensuite, pour ceux qui utilisent uniquement ProMods, vous mettez ProMods 2.52. Bon, ça fonctionne sur la dernière version de ProMods, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui utilisent Middle East en supplément, vous avez Middle East ici. Voilà. Donc moi, du coup, ETS 1.40. Du coup, lui, il va me présélectionner en fait la remorque que j'ai déjà. Donc vous voyez, Trailer Selector, lui, il m'a mis en fait en Curtain Sider directement. Voilà.
Après, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Hein. Vous avez du réfrigéré, vous avez du conteneur. Donc, très important. Par exemple, si vous utilisez une frigo, une remorque frigo, pensez bien à mettre Refir. Et puis voilà, pour que vous puissiez retrouver après votre remorque en dessous. Vous allez voir de quoi je parle. Ensuite, ici, donc, la ville d'où on part. Donc, moi, en l'occurrence, ça va être Le Mans. Donc, je vais chercher Le Mans. Compagnie, je vais mettre Bâtisse, par exemple. Hein. Et je vais aller à, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Limoges, allez, Limoges. Pour MVM Carrière, c'est parfait. Voilà. Donc là, ici, vous avez donc votre type de cargaison. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de regarder, c'est d'abord ici, dans Trailer Définition, de regarder si votre remorque, elle apparaît bien. D'accord ? Là, en l'occurrence, regardez-moi, elle apparaît pas. Il n'y a pas marqué Profil Liner, puisque, en fait, le type de cargaison ne correspond pas vis-à-vis de mon type de remorque. Donc par exemple, je sais pas, je vais pas transporter du ketchup dans une, ça serait complètement con. Je regarde en fait en fonction de ce que je peux transporter dans une bâchée. Voilà, de l'électronique par exemple. On va voir si... Voilà. Donc, vous voyez que là, effectivement, ça change tout. Et là, je retrouve ma Chrome Profil Liner. Voilà, qui est ici. Tout simplement. Donc, je la sélectionne. Voilà. Ça, on l'enlève. Hein, double trailer, on n'y touche pas. Hormis si vous utilisez des remorques doubles. Mais sinon, vous décochez. Ici, c'est la distance que vous allez parcourir. Donc, soit 412 km. Une fois que tout ça, c'est fait, vous faites Add and Save. Voilà. Fichier sauvegardé. D'accord ? Une fois que c'est fait... Ça vous met fichier sauvegardé, vous fermez, tout simplement. Vous relancez ETS2. Pour une fois que j'ai réussi, dis donc, c'est assez complexe hein, quand même. Hein. Je suis désolé, hein, si je suis pas assez explicite et tout, dites-le moi en commentaire. Hein. J'essaierai de vous aider, il n'y a pas de souci. Vous allez relancer votre partie. Vous relancez votre partie. Voilà, le temps que ça charge. Et du coup, vous allez recharger la sauvegarde que vous avez effectuée tout à l'heure. Donc moi, en l'occurrence, c'était celle-là, test, à 14h37. Hein. Et vous faites charger. Et là, vous voyez, ça vous met directement mission en cours. C'est-à-dire que votre mission est prête à partir. Voilà, vous pouvez partir directement chercher votre mission. Alors, après, attention, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas notée sur le GPS. Donc en gros... C'est à vous de faire votre parcours directement sur la map. C'est-à-dire que moi, et je trouve que c'est vachement bien par contre. Le GPS, en fait, voilà, c'est nous qui allons faire notre trajet. Là, vous voyez que je dois aller à Vinci. Vous voyez, on a notre petit drapeau qui est là. Voilà. OK. Donc, je mets mon GPS pour aller à Vinci. Je prends ma marchandise. Et après, une fois que j'ai ma marchandise, il faut que j'aille à Limoges. D'accord ? Donc, en l'occurrence, à la carrière de Limoges. Donc, ensuite, je remets mon point. Donc la carrière de Limoges, elle est là. Et vous voyez, j'ai le point d'arrivée qui est là. Donc du coup, une fois que j'ai récupéré ma marchandise, je récupère ma marchandise et je remets un second point ici, voilà, pour aller à ma destination. En gros, c'est à nous de faire notre trajet. Et je trouve ça vraiment stylé. Voilà. Après, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Donc après, il n'y a plus qu'à rouler, faire votre truc. Hein. Donc voilà, après, tout est pris en compte sur Truxbook et tout. Vous voyez, elle apparaît, hein, équipement électronique, machin et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais quitter vite fait le jeu, je vais vous montrer un autre truc. Parce que j'ai oublié de vous montrer. Je vais relancer Virtual Speditor. Admettons, bon, je vais recharger la partie... faut que je la retrouve d'ailleurs. Elle est là. Voilà, 14h37. Ok. Chargé. Tac. Alors, admettons, par exemple, vous aviez... Ah ouais, alors ça, par contre... Voilà, ajouter une cargaison. Si, admettons, là, ici, donc vous avez fait votre petit truc et tout, etc., vous avez tout mis, etc., tac, voilà. Si vous voulez une autre cargaison, faites... Alors, remplissez tous les champs, oui. Ouais, c'est pénible, hein. Voilà. Ajouter une cargaison, voilà. Là, vous en avez une, voilà. Donc, admettons, j'ai celle-là qui vient de... Par exemple, c'est celle que j'avais faite avant, voilà. Si j'en veux une autre, après, par exemple, j'en mets une autre. Par exemple, voilà.
Tac tac, je mets ce qu'il faut et tout. Et j'ajoute une autre cargaison, etc. Ensuite, par exemple, un truc bête, vous voyez. Là, vous voyez, je vais par exemple de Bordeaux jusqu'à Wrocław, voilà. Et ensuite, après une autre cargaison qui part de Wrocław jusqu'à Lille, voilà, tout simplement. Ensuite, en fait, ça s'enchaîne au fur et à mesure. En fait, ça va s'enchaîner. Vous mettez ce que vous voulez. Regardez, vous pouvez mettre énormément de... Vous mettez toutes les cargaisons que vous voulez, voilà. Ça défile, et en fait, vous pouvez les faire à la suite. C'est-à-dire que dès que vous avez livré votre première marchandise, eh ben, ça switch directement sur la seconde, voilà, pour aller chercher... L'autre marchandise à tel endroit pour repartir, machin, etc. Une fois que c'est fait, après vous faites add and save, et puis voilà, tout simplement. Et puis en gros, toute votre liste sera directement dans le jeu. Alors je sais pas si je me suis fait bien comprendre, parce que c'est assez compliqué à comprendre, mais en tout cas, voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous avez également à disposition notre Discord abonné, donc si vous avez des problèmes ou autre, n'hésitez pas à le rejoindre, parce que c'est fait pour. Voilà, moi je peux pas être au four et au moulin, malheureusement. J'essaie de faire des vidéos assez explicites, mais dites-le moi si vous avez des soucis, et puis je vous dirigerai directement vers le Discord. Et puis voilà, en tout cas, voilà, j'espère que j'ai été assez explicite, hein, que vous avez bien compris le système de ce petit logiciel. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifs, etc., etc. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.